C'est reparti pour la deuxième édition du campus citoyen. Il s'agit d'un dispositif mis en place pour former les jeunes au civisme, à la citoyenneté et aux us et coutumes de Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième édition, le programme veut rassembler 500 jeunes filles et garçons de 18 à 35 ans pendant un mois à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Ils sont un peu plus matures, ils sont universitaires, ils sont présidents d'associations, ils sont leaders de jeunesse. Et pendant un mois, ceux-là sont reçus dans un centre de service civique. En l'occurrence, aujourd'hui, ce sera à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, pour recevoir là beaucoup de formations en ce qui concerne le civisme et la citoyenneté. Pour sa part, le colonel Koulibaly, directeur général de l'ARSTM, a fait savoir que durant cette formation, plusieurs ateliers au métier de la mer seront organisés au bénéfice des jeunes. L'ARSTM s'engage à mettre à la disposition de l'OSCN ses infrastructures de formation, de restauration, d'hébergement, ses aires de jeu, de sport, son infirmerie et son personnel en charge des moyens généraux. Les jeunes Ivoiriens sur toute l'étendue du territoire national qui savent lire et écrire sont invités à s'inscrire du 10 au 23 juillet 2023 en ligne sur le site www.oscn.ci ou auprès des directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse.